Nous, Européens, quand on arrive ici, on apprécie le calme, on apprécie la lenteur, le climat qui est agréable, qui est méditerranéen, donc qui est tempéré. Le ciel est souvent bleu. Viña del Mar, c'est ça. C'est plus que simplement la plage et le casino et les restaurants. C'est un peu un lieu de tranquillité, finalement. J'aime beaucoup Viña. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la mer à côté, donc c'est vraiment agréable. Viña del Mar, ça a l'avantage d'être proche de la capitale, mais pas trop, d'être au bord de la mer et d'être une ville d'une taille moyenne, 300 000 habitants. Donc pour moi, c'est la taille idéale. Donc en 10 ans, j'ai eu l'occasion de beaucoup de voyager à travers le Chili, que ce soit le désert d'Atacama qui est le plus aride au monde, les glaciers de Patagonie, l'île de Pâques, toute la zone des vignobles du Chili. Et franchement, il n'y a rien à jeter. Du nord au sud, c'est tout magnifique. Je vais résumer Viña del Mar, ça serait deux choses. C'est la joie de vivre et c'est la tranquillité sur mer.